Peut-être que vous en avez fait l'expérience. Et cette expérience va vous démontrer pourquoi, quand les gens deviennent riches, ils ne nous respectent pas. Vous savez quelle est cette expérience? Vous vous asseyez avec une personne dans un train, dans un bus ou dans un lieu. Vous rencontrez cette personne quelque part. Il ne vous adresse pas la parole. Il vous ignore. Il fait comme si vous étiez inexistant ou inexistante. En un moment donné, cette personne se rend compte de votre identité. Il se rend compte qu'en réalité, vous êtes quelqu'un de connu. Il se rend compte qu'en réalité, vous êtes quelqu'un de très riche, mais ignorez toutes ces choses. Finalement, vous voyez cette personne se transformer. Finalement, elle commence à avoir un certain intérêt vous concernant. Elle commence à s'approcher de vous, elle commence à parler avec vous. Elle commence à vouloir nouer une certaine relation avec vous. Et ce visage qui était jadis fermé commence à s'ouvrir. Et là, vous vous posez cette question. Quelle est la différence entre cette personne qu'elle a ignorée depuis tout ce temps et cette personne qu'elle découvre à peine? Pourquoi a-t-elle changé d'avis? Pourquoi a-t-elle changé de perception? Elle a changé de perception dès qu'elle a su que vous étiez quelqu'un de connu. Elle a décidé de vous sourire dès qu'elle a su que vous étiez quelqu'un de riche. Et voilà la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une société de snobs. Alors qu'il n'y a aucune différence entre la personne qui était assise là et cette personne que vous essayez de vous connaître maintenant. Quand vous prenez tous ces facteurs et que vous les accumulez, vous comprenez pourquoi dès qu'une personne devient riche, dès qu'une personne devient célèbre, eh bien cette personne devient assez folle pour prendre tout le monde de haut. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se brûlent les ailes quand ils montent haut vers le sommet de la réussite. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes perdent leur dignité. Alors soyons humbles envers nos prochains.